Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 19 septembre et on revient de chez Action avec Elia. Bon, on n'a pas fait que Action, on est allé à la mairie, on est allé en centre-ville, on est allé à Flying Tiger aussi. Oui, c'est un magasin super. Voilà, donc bon là j'ai rien pris de spécial et donc je voulais vous faire vraiment un tout petit haul de rien du tout. Il y a trois trucs à vous montrer. Mais bon, il fallait que je vous montre ce que j'ai trouvé ce matin. Donc, je suis allée à 9h et voilà, je l'ai trouvé. Alors, au début, je dis, mais elle est où? Elle est où la desserte et tout? Donc, elle y est en noir et elle y est en blanche. Moi, je l'ai pris en noir parce que ça sera déjà moins salissant, peut-être plus poussiéreux, mais moins salissant si jamais, voilà. Donc, elle était en promotion cette semaine à 17€ et des bananes, donc on va dire 18€. Donc, je l'ai trouvée, il manque plus qu'à la monter. Elle pèse une tonne. Et donc, je m'attendais à. Donc, je cherchais dans le Action. Je m'attendais à un grand truc, en fait, un plus grand carton. Et après, j'ai une copine là-bas qui me dit: mais si, regarde en bas, là, ils avaient ça aussi. Je suis: oh putain, je cherche. Il y en avait deux dans le rayon. Donc, j'en ai pris une à 9h le matin et il n'en restait plus qu'une. Donc voilà, je suis super contente, je voulais vous montrer ma trouvaille. Je vous en avais parlé depuis une semaine que je le voulais, donc voilà. Et après, vas-y t'en as, je speed. Donc voilà, j'ai trouvé ça, pour une fois je me fais plaisir. Alors après, il y avait des dyes en promo cette semaine. Vu qu'ils font la petite machine comme la Big Shot en fait, comme la demoiselle de Toga on va dire, mais franchement le carton il est quand même super gros, donc elle est à 30€ cette semaine en promotion, donc voilà. Et ils font des petits dyes en promo, donc moi j'en ai pris que deux. Après il y avait des fleurs, il y avait plein de petits trucs, mais ça me disait rien. Donc j'ai pris celui-ci, en fait c'est des petites cloches pour Noël, donc à 79 centimes. Et regarde, Corinne, si tu vas à Action, il y a des petits Bambi. Voilà, donc j'ai trouvé la petite découpe de Bambi. J'ai trouvé ça mignon aussi, un petit Bambi fin. Bambi chou. Et du coup, bah voilà, j'ai pris que ces deux-là. Il y en avait deux, trois autres modèles aussi, mais je n'aimais pas particulièrement. Et comme je vous ai dit, j'arrête d'acheter pour acheter, ça sert à rien. Après, je me retrouve avec plein de trucs. Après, si vous ne trouvez pas les trucs de Noël, il faut aller en fait dans le rayon où il y a les décorations de Noël. Alors moi, il y avait du papier, mais c'est l'ancien papier de l'année dernière. Ils n'ont pas encore sorti le nouveau. Donc bon, du coup, j'ai rien pris. Par contre, il y avait les plaques d'embossage de Noël et je n'ai pris que celle-ci. Les autres ne m'intéressaient pas du tout. Il n'y avait pas le renne. Il y avait celui-là là, avec les étoiles. Donc moi, j'ai pris celui-ci où il y a marqué juste Christmas. J'aimais bien celui-là, voilà, j'ai pris que celui-là. Après, il y avait avec le fond, avec les sapins, enfin, vous verrez les différents hauls qu'il y a eu. Voilà, je ne suis pas la première à vous montrer ça. Ça, par contre, je crois que c'était 1€ et 99 centimes peut-être. Même pas 1€, je crois, ou 79 centimes, enfin bref, c'était pas cher. Et par contre, il n'y avait pas celui, enfin, j'avais avec celui avec les sapins. J'en avais d'autres avec des étoiles, enfin, c'est les grosses après. Mais comme je vous dis, ça ne m'intéressera pas plus que ça, donc du coup, j'ai pas pris. Voilà, comme je vous dis, j'arrête d'acheter juste pour acheter. Donc on verra s'ils sont plus tard, si j'ai un projet à faire, peut-être que je le prendrai, mais là, non. Après, j'ai pris... Et il m'en manque un comme ça. Ah ben, il est resté en voiture. J'ai pris... J'espère qu'on ne l'a pas oublié. J'ai pris cette petite boule à neige que j'ai vue. Donc c'est pour Noël, hein, on est qu'en mois de septembre. Et j'en ai pris un autre avec des petits pingouins et c'est dans des pots de confiture en fait. Et ils sont trop mignons. Oui, mais je crois qu'ils sont restés dans la voiture. Non, il n'y avait plus rien encore. Alors... Ils sont pas là en dessous là. C'est sous tes papiers là. Ah, ici. Non. Ben, voilà, on les a oubliés au magasin. Ah, bien, j'espère pas. Bon, mais j'ai pris sinon, ou sinon je les ai perdus. Je sais pas. J'avais pensé les avoir pris. Mais ou alors, est-ce que dans le coffre, j'ai un petit coffre alors on les voit. Bon. Donc des boules à neige comme ça, j'ai trouvé ça excellent quand j'ai vu ça. J'en ai vu dans des halls et dans des groupes Facebook en fait où je suis de Action. Et franchement, pour faire des cartes et tout, c'est des mini billes en fait, checkers qu'on a à l'intérieur. Et vraiment, c'est trop mignon.
Donc j'ai pris cela et normalement j'ai pris, c'est des genres de petits pots à confiture avec des petits pingouins dedans qui sont vraiment trop top. Ouais, trop mignon. Le Kerstock, les filles et les garçons en promo cette semaine à Action. 79 centimes je crois le Kerstock. Donc là j'en ai repris un lot avec du jaune, comme elle disait Chris Color, jaune pipi là, j'aime pas trop. Mais moi il y a le blanc et il est qu'à 79 centimes, donc j'ai repris un bloc parce que la dernière fois, rien qu'en faisant mon album étoile, vous savez, j'ai utilisé je crois que la moitié du jaune quoi, vu qu'il me fallait 8 feuilles à chaque fois. Donc voilà, donc là en ce moment il y a celui-là et celui avec toutes les feuilles colorées à l'intérieur, chez moi. En promo, ça doit être partout hein, de toute façon. Et après, par contre, après un nouveau bloc et tout ça, chez moi, il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Pour moi, je m'en ruine pas. Rien du tout. Je me suis acheté un mini planner. Mais pourquoi elle s'achète un truc comme ça? Elle en a gavé. Pareil, il y a des nouveaux planners normalement qui sont arrivés chez Action, pas chez moi. Et il me tarde de les avoir. Je ne veux pas reprendre un bullet journal parce que je me rends compte que c'est vraiment pas pour moi. C'est trop... Ou alors j'ai pas assez d'imagination, je sais pas. Mais là, donc j'ai pris un mini planner. Je voulais prendre un grand, mais je me dis que ça me suffira pour la vidéo que je m'apprête à vous faire, là, justement. Que je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo un peu spéciale qui n'a rien à voir avec le scrap. Et il me faut, en fait, je vais noter dessus. Voilà, mes objectifs, mes choses comme ça. Et celui-là, donc il est super joli, il est rose pailleté, rose gold pailleté. Et à l'intérieur, bon, on ne peut pas écrire grand-chose, mais pour ce que j'ai à faire, vraiment, normalement, ça devrait me suffire. Non, mais qu'est-ce qu'elle nous prépare? Voilà, donc ça vaut 99 centimes. Et c'est tout. À part Elia qui s'est pris, vas-y, tu peux montrer maintenant. Donc, on a trouvé ça dans le rayon enfant. Fun Gummy, donc là, je suis en train de jouer. C'est Funny Gummy. Donc, c'est une balle. C'est de la pâte. Vous savez, en ce moment, chez les gosses, ça fait le buzz, là, tout ce qui est slime et tout ça. Donc là, c'est un peu comme du slime, c'est un peu dégueulasse. C'est de l'anti-stress, en fait. Il s'étire. Là, les chewing-gums et tout, et apparemment, ça rebondit aussi. Il s'étire et ça rebondit. Ça sent la pâte à modeler, enfin, ça sent un truc bizarre. Ça rebondit par terre. Oui, regarde. Je te mets un bol. Attention. Ouais, ça fait un petit pou 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 pou. Ça rebondit vite fait, quoi, on va dire. Donc, bon, bah, je lui ai pris ça. On a payé ça même pas 1 euro, je crois. Ouais. Bon, après, franchement, est-ce que ça sèche vite ou pas? J'en sais rien. On veut non, parce que c'est dans un sachet. Ouais, mais bon, tu sais, des fois, c'est un sachet. Et puis, à Flying Tiger, on n'a rien pris d'exceptionnel parce que c'est un super magasin. J'adore, franchement, il y avait des trucs tortues et tout. Hein. Ouais. Trop beau, j'ai vraiment, j'ai trop kiffé. Bon, après, mon budget me permet pas non plus. Là, je me suis fait plaisir. Je voulais absolument la desserte. Donc, ouais, je lui ai juste pris, Elia, cette petite gomme. Donc, elle a voulu une gomme tigre, vu qu'elle est fan de tigre. Voilà. Et donc, ça, c'est une gomme. Voilà. Vraiment, mais elle est top. Elle est trop jolie, quoi. Je l'adore. Et on a payé ça... Elle est trop bien. On a payé ça 2 euros, je crois. Ouais. Voilà. On a payé ça 2 euros. Et franchement, elle est super jolie, ça donne même pas envie de gommer avec, quoi. Vraiment trop belle, mais il y avait plein de trucs, franchement, dans ce magasin, je craquerais, mais... Et en plus, avec les on pattes craque, les... mais parce qu'en plus, c'est des trucs qui servent à rien, quoi, là-dedans. Les pattes et la queue, elles bougent. Donc voilà, une petite gomme comme ça chez Flying Tiger à 2 euros. Et en partant, un petit paquet de bonbons qu'elle a déjà ouvert à 1 euro, le petit paquet de bonbons. Non, ce n'est pas ouvert, c'est maman qui l'a ouvert. J'en mange pas de bonbons. Si, elle en mange. Non, je mange pas de bonbons. Et c'est des lettres de l'alphabet. Et apparemment, c'est bon. J'ai rien dit. C'est bon. C'est bon. J'ai rien dit. C'est bon. Je suis un ange. C'est bon. Oui. Bon, merci. Voilà la team, c'est tout. Mini, mini haul. 9 minutes, même pas 10 minutes. Donc, c'était juste pour vous montrer vite fait. Vraiment, vite fait ce que j'ai trouvé. Surtout sous mon caddie. Donc, si vous cherchez les trucs de Noël, allez dans le rayon décoration Noël, en fait, parce que l'année dernière, j'ai réfléchi, l'année dernière, c'était dans la déco de Noël, c'était carrément pas avec les trucs de scrap. Oui, mais ça se remet. Voilà, ben sur cela, team, on vous fait de gros bisous. Elia vous dit au revoir et à dans 15 jours parce qu'elle s'en va demain. Voilà.
Et ben, à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien, profitez et restez comme vous êtes. Salut.